J'ai découvert ce lieu grâce à AD il y a très longtemps et j'en suis tout de suite tombé amoureux. C'est un hôtel particulier du 18e et 17e. Quand j'y suis revenu par hasard quelques années plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir un petit morceau. Esta es mi oficina, que después de haber terminado la casa como un año, más o menos, seguía en blanco. Por lo general es un poco caótico con mis cosas de trabajo, pero ahora está arreglado para ustedes. Esto es nuestro patio, donde pasamos mucho tiempo de la pandemia, donde conocimos a nuestros vecinos, cada uno almorzando en su mesita de picnic. C'est très inspiré par l'endroit où on est, par Paris, par l'époque, par le centre, par le 17e. Mais il y a aussi des petits bouts d'ailleurs de partout où on est aussi. Je crois qu'il y a dans ma vie un grand mélange d'influences et de styles. Et il y en a dans toutes les pièces. Il y a un peu de technologie, il y a du Bellini 60, il y a de l'art africain, il y a du art déco, il y a du gustavien. Y esta es nuestra habitación con una boiserie del mercado que eligió Alex, que a mí me gustó mucho. Yo la probé. Y aquí también tenemos la opción si queremos ver películas. Tenemos un proyector ahí escondido. Y este cuadro que se convierte en pantalla enorme. J'aime pas le mot design, j'aime les choses qui m'interpellent, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, de quelle époque que ce soit et de qui que ce soit. J'aime aussi surtout les découvertes et les choses qu'on voit pas trop. Este es nuestro vestidor. Alex encontró estos paneles en el mercado en París, pero que bueno, siempre es un poco caótico, en otro momento. Bueno, y este es el baño. Dans la salle de bain, il y a des marbres 18e, mais qui ont été confectionnés avec notre fantastique marbrier Wilfried. Il y a une baignoire en pierre que j'ai trouvée au marché Serpette. En primavera, abrir la ventana y que entre todo el olor a jazmín. Sí, esto, acá tenemos al señor que elige todo, en esta casa. Y este es el cuarto de Sakura, nuestra hija, que está cubierto en un mural pintado a mano en combinación con imágenes japonesas. C'est un montage photo. Il y a toute la famille là-dedans qui sont parfois dans des situations complètement surréalistes. Esta cara mía con este cuerpo de pajarito. Acá está Alex subido arriba de una nave espacial. Tout en bas de l'escalier, il y a un grand miroir derrière lequel se cache le bêta clandestino, qui est une pièce qu'on a creusée dans le sous-sol. Party room. Il faut toujours une pièce secrète. C'est une pièce dans laquelle on peut se reposer, dans laquelle on peut danser, dans laquelle on peut boire, dans laquelle on peut regarder des films. Le gusta la fiesta, period. Surtout, c'est une pièce qui continue l'inspiration de l'endroit. C'est un dessin que j'avais fait en faisant un collage d'inspiration. Il y a The Cherry Moon derrière moi, en hommage à notre fille. Un chemin très évident vers la pièce secrète et vers la Cherry Moon de Sakura dans la Cherry Moon. Merci AD. Et maintenant, par la porte secrète. Au revoir.